Salut Julien, on est là ce soir au gymnase Tommy Smith. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, bienvenue à la Nuit du Sport pour la 4e édition. On est le 31 octobre et on accueille une nouvelle fois les jeunes de Saint-Ouen pour participer à différents ateliers sportifs et dans un moment convivial, agréable, tout le monde va s'amuser et profiter de la soirée. C'est la 4e édition? 4e édition. Qu'est-ce qui change dans cette 4e édition par rapport aux 3 précédentes? On a des nouveaux ateliers, donc on a le terrain de dodgeball, on a l'équaliseur, donc il y a une grosse structure gonflable où les jeunes ont des harnais et sont tirés l'un et l'autre dos à dos et doivent essayer de marquer des paniers de basket mais avec le poids de l'autre. Donc voilà, on a toujours le double dodge, on a toujours le foot 3 contre 3. Il y a aussi à l'entrée un truc avec des cordes, là, c'est quoi ça? Cette année, on a une association qui est venue, Reiko, qui fait partie de la ville de Saint-Ouen, qui se situe à la salle Malmanga, j'en profite pour dire. On a accueilli l'année dernière 180 jeunes, donc là on espère faire autant cette année. Merci Julia. De rien, bonne soirée.